Il n'y a personne dans ce monde qui ne t'a menti plus que toi-même. Pense-y, mon ami. Combien de fois est-ce que tu t'es dit que cette année sera différente? Combien de fois as-tu commencé un régime en te disant « Oh, cette année est la bonne. Je vais commencer cette année en force. Je vais aller à la salle de sport. Je vais bien manger. » Deux semaines plus tard, qu'as-tu fait? Rien. Tu t'es menti à toi-même. Tu t'es fait des promesses vides de sens. La plupart d'entre vous ne feront rien du tout. Et tu es en colère contre moi parce que je te l'ai dit en face. Tu devrais être en colère contre toi-même. Parce qu'il y a 2 ans, tu as dit ces absurdités. L'année dernière, tu as répété les mêmes absurdités. Cette année, tu les répètes encore. Et l'année prochaine, tu iras répéter ces mêmes promesses vides de sens. Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu dois te regarder dans le miroir et dire la vérité. Regarde ta vie et dis la vérité. La vérité est la suivante, et elle est simple. Soit tu fais ce que tu as dit, soit tu ne le fais pas. Soit tu es prêt à faire un sacré changement dans ta vie, soit tu ne l'es pas. Peu importe le nombre de vidéos que tu regardes, peu importe le nombre de cours que tu achètes, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire et ce que tu dis. Tu dois décider que tu ne vas pas être comme tout le monde. Tu ne vas pas vivre comme eux, tu ne vas pas manger ce qu'ils mangent, tu ne vas pas faire le même travail qu'eux, tu es différent. Tu dois exprimer à quel point tu es unique. Tu dois être un gagnant. Gagne un jour à la fois. Tu dois gagner aujourd'hui. Puis tu te réveilleras demain et tu gagneras à nouveau. Puis tu te réveilleras mercredi et tu referas la même chose. Puis tu te réveilleras jeudi et tu referas la même chose. Et quand tu arrives au point où tu gagnes chaque jour et que la victoire devient automatique, devine ce qui se passe. Gagner à ce stade ne devient plus une chose à laquelle on aspire. Gagner devient qui tu es. Mes amis, je n'ai pas un talent phénoménal, mais j'ai un fort désir de gagner. Mon QI ne changera peut-être jamais, mais ma soif de gagner s'agrandit chaque année. Je deviens de plus en plus fort et déterminé. J'ai nourri mon cerveau avec la mentalité de gagnant. C'est maintenant dans mon ADN. Je veux réussir, je veux exécuter. Je veux faire en sorte que tous mes rêves deviennent réalité. Je veux faire tout ce que j'ai dit que j'allais faire. Mon appétit pour le succès augmente et se renforce chaque année. J'en veux plus chaque année. Je veux aider davantage chaque année. Je veux être plus audacieux. Je veux être meilleur. Et je veux être plus fort chaque année. Ainsi, chaque année, ton appétit devrait augmenter. Tu ne dois jamais être confortable. Il ne faut jamais ralentir. Tu ne dois jamais être satisfait. L'attente, la réflexion et la planification, tout cela ne mène nulle part. Cela ne fait pas avancer. En fait, tu fais marche arrière. Alors, ne reste plus assis à y réfléchir. Agis. Je me moque de savoir si l'action est petite. Je me moque de savoir si le mouvement est minuscule. Fais bouger les choses. Va de l'avant. Fais-le tous les jours. Quoi qu'il arrive, deviens ce que tu veux vraiment devenir. Mon ami, si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment changer ta vie, si tu veux vraiment perdre 20, 50, 100, 250 kilos, commence dès aujourd'hui. Si tu veux vraiment démarrer ton entreprise en ligne, commence aujourd'hui. Si tu veux vraiment être riche, commence dès aujourd'hui. Ce n'est pas l'année où tu dois beaucoup parler, c'est l'année où tu dois trimer. Eh oui, tu peux le faire. Ce n'est pas l'année du rêve. Tu as assez rêvé, t'as assez souhaité. On a assez regardé les autres changer leur vie. Pas cette année. Cette année, tu dois te changer et agir. Parce que c'est ton année.